à tous au Dynamic Game de Challan. Et non, vous ne rêvez pas, c'est mon ami Mario. non, c'est Pierre, à Bac Pro Commerce, vous vous souvenez, on a fait d'autres vidéos avec Pierre. Donc il adore Mario, il kiffe, il n'a pas les moustaches encore, mais pour sa prochaine animation, on va peut-être vous balancer un petit sondage sur le Facebook pour savoir quelle animation il pourrait faire pour son Bac Pro Commerce. Donc la première possibilité, c'est ça. Et la deuxième, ce serait un stand à l'extérieur avec différents produits vintage, un peu de volant. Vous allez voir, c'est un stand assez complet. Moi, je vous inviterai, c'est pour le 13, vendredi 13 janvier normalement. Oui, c'est bon. Donc normalement, si tout va bien, c'est l'un des deux. Donc on va vous inviter à voter sur la page Facebook de Dynamic Game Challenge. Mais pour l'instant, on a des jeux, c'était pas prévu. On a des jeux à vous montrer. Alors qu'est-ce qu'il nous propose comme jeu? Vas-y. Donc en premier jeu, on aura Mario Party Superstar, où ce sera comme un jeu de loi. Vous balancez un dé et... Faut que tu parles plus fort, ils t'entendent pas. Ah ok, mince. Donc c'est Mario Party Superstar, où c'est comme un jeu de loi, vous balancez un dé, vous jouez à plusieurs, et puis vous avez plein de petits mini-jeux super sympas. Ouais, c'est un très bon titre, oui. Très très bon titre. Bonjour, et l'autre c'est quoi? Et l'autre c'est Super Mario Maker. Voilà. Donc un Mario Bros, où par contre vous pouvez créer vos mondes, puis développer T'as toujours pas écrit ce que tu veux dire. Donc en Super Mario Maker, vous créez vos propres niveaux. Et ça, vous pouvez retranscrire le niveau que vous avez créé, soit en Nintendo des années 80, soit en Super Nintendo, soit en Nintendo Switch. En fait, en plusieurs générations de jeux. C'est vraiment très très bien, je vous conseille ces deux jeux-là. Très bon titre, surtout le Mario Party. Mario Maker, c'est un peu plus dur, hein, donc ce sera pour les plus vieux. Et puis Mario Party Superstar, très 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 bon titre. C'est top de chez top. On vous montre quelques images, les amis. Allez, à tout de suite. C'est parti. Alors, tu as avancé, c'est sympa, hein? Bon, voilà. Ça, c'est les deux jeux que notre ami Mario, Pierre nous a présentés. Donc là, il m'a fait une scène en off, là. Dire, mais on peut pas choisir. Ils peuvent pas choisir. Oui. On va quand même vous mettre sur Facebook les possibilités pour son action Bac Pro Commerce. Donc, soit déguisé en Mario en faisant de la pub à Challan, soit un petit stand à l'entrée du magasin avec plein de produits un peu vintage avant à l'extérieur. Voilà. Moi, j'avais deux jeux à vous présenter. Donc, ces deux jeux, en fait, c'est Need for Speed Unbound. Unbounded, imprononçable, et Gotham Knight. Donc deux très bons titres. Ils existent sur Xbox Series X, mais aussi sur PlayStation 5. Alors ça, celui-là sur PlayStation 5 uniquement, et Gotham Knight sur PlayStation 5 aussi uniquement.
C'est deux consoles dernière génération, forcément. Dernière génération, pardon. Donc ça, c'est un très bon jeu. Ça ressemble vachement à Marvel Spider-Man. Spider-Man Miles Morales, par exemple. Très, très bon titre. Carte assez énorme. Graphiquement, c'est magnifique. Il ne faut pas mettre en facile parce que c'est vraiment trop, trop, trop facile. Par contre, c'est un peu plus long qu'un Spider-Man. Il y a un peu de temps de latence. C'est ça qui est dommage. Donc, il y a Mario qui se fout de moi à côté. Et puis, on a Need for Speed Unbounded qui ressemble à Need for Speed Most Wanted. Donc, attention, il est en cel shading. Tout le monde ne va pas aimer. Mais c'est un très, très, très bon titre aussi. Très fun. Ça, c'est les titres de fin d'année. On a des nouveautés qui vont arriver de toute façon au mois de janvier. Vous allez voir comme One Piece Odyssey. Tout ça, ça ne va pas tarder. On fera une petite vidéo là-dessus. Et puis bah, on vous montre quelques images. Allez, Mario. Oui. On y va, on saute. Allez, 1, 2, 3. C'est parti! Hi, I'm Patrick Redding, creative director on Gotham Knights. On behalf of the whole team at WB Games Montreal, I'm really honored to give you a quick look at our gameplay. Valkyrie, Elliot Center is covered in ice. Whatever's causing this is localized at the top. We're going to look at a short clip from one of Gotham Knights' villain crimes in a pre-alpha build. This mission is halfway through the Mr. Freeze storyline, and we're playing Batgirl a dozen or so hours into her character progression. At Elliott Center. Air support inbound. Hostiles opening fire on upper floors. Air support, can you do a fly around? Freeze has recently returned to Gotham with a mysterious agenda that involves manipulating the weather to flash freeze the city. We need a way to get through that ice! An important goal for Gotham Knights was that players can play all of the game, either solo or in two-player co-op. If he wants a fight, he'll get it. Robin's learned how to access the Justice League satellite for short-range teleportation. How are we supposed to stop ice guns? Meanwhile, Batgirl has mastered some more familiar techniques. And developed a few new ones of her own. Heard you're down there having some fun. Fun's one word for it. Just a heads up, that chopper's under orders to fire on anything that moves inside. The Gotham City Police! Drop your weapons, or we will open fire! Returning fire! The storm is getting worse. You need to hurry and find a way inside Elliott Center. The GCPD chopper made that part easy. This doesn't look up to code. Whoa! If anyone asks, I meant to do that. I won't say a word. Wars were still going on when Freeze came through. Those poor people. They didn't stand a chance. Gotham Knights is built to let players approach each challenge with their preferred style and their preferred build. You know how cold it is up there, right? You want to dive exposure? Be my guest. This will only take a second. Occupied!
safest time to take the elevator. You'd rather take the stairs? These cables on the floor. Guaranteed they lead to freeze. Still falling. We need to stop this now. Belfry wasn't kidding about this storm. Almost there. I see the weather machine ready with the disruptor. That thing's drawing so much power. Disruptors in place. It's charging. Ok, vas-y, tu fais tout seul. Comment ça? Là... Mais me regarde pas! Mais non! Regarde la caméra! De toute façon, vous allez couper la caméra. Mais non, là je filme, mec. Comment allez, ça? C'est à toi, tu te débrouilles. Bon, j'espère que ça vous a plu, tous ces jeux. Franchement, c'est des très bons titres. J'espère que vous pourrez y jouer prochainement. Et on se retrouve bientôt. Non mais je sais pas. Et pourquoi il me regarde? Bon les amis, on s'est bien éclaté. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis votez pour Mario s'il vous plaît. Votez pour le stand. N'écoutez pas. Le vendredi 13 janvier. Allez, à très bientôt les amis. Salut, bye. Au revoir. À bientôt.